Salut à tous, c'est Sarah Naissance. Oui. Et on se retrouve. C'était quoi ce oui? Oui. Ok, c'est mieux, mais bon, ça va. C'est, on est où? Bah, on est sur l'épisode 5 de Benjamin Kazooie. Yes. Donc, merci pour vos retours sur le dernier épisode. Ça fait très plaisir, surtout qu'il y a eu des soucis de son. Je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. C'était pendant le rendu, en fait, parce que mon montage est tout à fait bon. Il y a pas de soucis. Effectivement, la vidéo que j'avais rendue, avait des bugs de son. Je sais pas comment ça se fait. J'ai fait le même rendu. Paf, et ça a corrigé. Donc, sûrement que mon PC a dû planter un petit peu à ce moment-là où je faisais un truc, c'est pas bien. Bon, peu importe. En tout cas, vous l'avez eu et vous l'avez quand même re-regardé. Ça fait plaisir. Vous avez commenté. Ça fait plaisir aussi. Voilà. Pour tous ceux qui nous ont parlé d'anniversaire, donc, sous celle de la vidéo, là, de l'épisode 4 ou autre, on vous l'a souhaité dans d'autres vidéos. Hein, vous regarderez. Dans le let's play du mardi. Oui, mais je voulais pas le dire pour qu'ils regardent tout. Ah, c'est pas grave. du coup, cette vidéo-là est tournée à l'avance cette fois-ci. Nous ne sommes pas là pendant cet épisode. Nous ne sommes pas chez nous. Hein. Ouais, vous le découvrirez du coup dimanche qui vient là. Donc n'hésitez pas à être nombreux à 16h le dimanche pour le vide-grenier comme d'habitude. Voilà. Ouais. Soyez nombreux et vous verrez ça fait plaisir. On vous prépare une semaine trop cool. Ouais. Voilà. Parce que merci pour les. On dit pas. Ouais, je vais pas le dire. C'est pas grave. Elle arrête pas de tout spoiler, c'est pas grave. Ah, mais moi je suis quelqu'un qui ne cache rien. Elle est trop bizarre cette fille. Bon, et écoutez, en tout cas, on a bien eu vos commentaires là-dessus, donc. C'est pas une anguille, c'est un requin. Ouais, écoutez, les copains, c'est ça ressemble à une anguille quand même, non? Alors, j'essaie du coup de faire le suivi. Ah, ouais, c'est ça que vous voulez que je fasse en fait. Moi je veux bien, mais je trouve que ça bouge à mort. Hein. Bon, je veux bien faire le suivi de caméra quand je suis sous l'eau, pourquoi pas. Donc, il nous restait effectivement toute la partie haute à faire. Donc là, on voit les notes et tout. Et toute la partie basse. Alors, la partie basse, c'est-à-dire la chaîne. Et j'avais fait effectivement deviner qu'il fallait les péter cette chaîne pour libérer ce requin anguille. Je vais l'appeler l'anguille rien pour faire chier tout le monde. Ouais. Et du coup, on va le faire. Hein, parce que vous m'avez dit, Saba dans les commentaires m'a dit oui, c'est bien ça, il faut aller péter une clé en bas. Peut-être en plusieurs respirations. Donc, on va essayer de faire au mieux et de descendre. Ouais. Bah, moi, j'aurais dit plutôt commencer par le haut, du coup. Mais je pense qu'il va se débloquer après parce que je vois pas trop comment monter. Et je pense que l'anguille va peut-être se déplacer, tu vois. Ce que je veux dire. Ici. You see? Allez. Pareil que Saba te disait qu'il fallait se mettre en mode caméra. C'est ce que je fais. Là, je suis en mode caméra, tu vois. Ah, oui, d'accord. C'est avec moi. C'est ça que vous appelez le mode caméra, je pense. Parce que là. Le zoom, là. C'est ça? Ah, le zoom! Ouais, je sais plus comment faire. Je sais plus. Ah, je sais plus. Et l'autre, attends, je verrai plus tard. Cela, je. Ok, c'est quoi ce truc? Est-ce que ce serait pas une bulle d'air? Ah, mais dites pas que c'est des bulles d'air. Oh la vache! Oh la vache, mon gars! C'est compliqué, hein? Ouais, c'est pas facile, franchement. It's not facile. Ah, tu vas remonter là? Je peux pas. C'est trop tard. C'est carrément trop tard pour moi. Donc, on est mort. Bon, on va charger l'état, tout simplement, comme d'habitude. C'est le début de l'épisode. Tu as raison, sûrement, que c'est les bulles d'air qu'il faut choper. Mais ça n'a pas été évident. Alors, par contre, pour se mettre en caméra... Alors, attendez. Je vais essayer de le faire. Comment on fait, déjà? Non. Ouais. Ok. Et ensuite... Ah bah non, mais quand je nage, ça marche plus. Ah non, bah non, ouais, dès que j'accélère, en fait, ça part, le mode caméra. Donc, je ne peux pas, en fait. Ah, voilà. Donc, désolé, je ne peux pas. Ouais. Peut-être quand je nage... Mais juste nager, pas accélérer. Ouais, mais je suis obligé d'accélérer, sinon je vais jamais réussir. Oui, mais une fois en bas. Ah oui, une fois en bas, ouais, mais je paniquerai. Je vais paniquer. Je sens que je vais paniquer, donc non. On va rester là-dessus. Bah, je suis désolé, hein, mais bon, après, je crois pas que ce soit trop gerbant en soi. Ça va quoi? C'était pour te faciliter à attraper les notes. Ah ouais, non, ça va aller. C'est lui qui fait des bulles. Non. Ah, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Non, mais t'aurais dû remonter. Mais non, je veux voir si le poisson il me donne des bulles. Ouais, mais t'as pas fait. Pardon? T'as l'air d'avant. Bah ouais, je sais bien, mais j'avais... De toute façon, apparemment, je n'ai pas le temps de remonter. Oui. Donc, malheureusement, je n'ai pas le temps de remonter, donc je pense qu'il va falloir faire comme ça. Parce que je veux bien essayer, mais ça me paraît un peu rush, sachant que c'est pas hyper facilement contrôlable, tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh. Oui, c'est pour
Parce que c'est un peu facile à dire de l'extérieur pour toi, mais je te jure que c'est pas contrôlable en fait. C'est vraiment pas easy du tout. Donc tu vois, là déjà, je perds une bulle à réussir à aller à la chaîne, donc... Ouais, mais à force, tu vas... Je sais pas, on verra ça. On verra ça, en tout cas, c'est pas le propos pour l'instant. Alors, du coup, on va essayer d'aller choper une bubule. La bubule. Il est où, le poisson? Tu vois, là, je peux pas du tout me mettre en caméra... J'essaye, mais je peux pas me mettre, en fait, en caméra première personne. Alors, c'est peut-être dû à l'émulation, hein, je dis pas le contraire. En plus, la caméra qui change toute seule. Bah ouais, la caméra, vous voyez, je la dirige pas. Ouais, parfait. Ouais, parfait, mon gars. Par tour, en fait, tu remontes à chaque fois. Ça va être compliqué d'aller chercher les notes. Ouais. Et donc, je suis désolé si c'est confusing, mais je peux pas faire autrement, vraiment pas. Je vous promets qu'en plus c'est pas une manette de... Je joue pas avec une manette de Nintendo 64, pardon. Et c'est super galère déjà à diriger, donc je peux vraiment pas faire mieux, je suis désolé. Là va falloir être un peu conciliant avec moi. Hein, parce que je vous trouve pas très conciliant avec moi, hein, quand même. Salut, moi et Loup. Attrape mes bulles si tu as besoin d'air. Mais bon, encore faut-il réussir à attraper. Et j'ai pas le choix parce que là, je suis mort, sinon. Oh! Ah oui, ça donne pas mal en plus. Ouais, alors il va falloir un peu plus gérer que ça pour moi. Je fais un peu n'importe quoi. Ah oh, putain, va chier. Viens là, machin, avec tes bulles d'air. Ouais, donne-moi une bulle d'air. Wow, c'est chaud. Voilà, vache, c'est chaud de ouf. C'est chaud night, hein. Franchement, les mecs. Ok, j'ai réussi à la choper, je sais pas comment, mais je croyais pas du tout y être. Ouais, bien joué. Ok, donc là, normalement, on l'a chopé, on peut être content. Super, la caméra, super. Bah ouais, là, je vous jure, et je peux vraiment pas faire mieux. Je pense que c'est peut-être dû à l'émulation, je sais pas du tout, mais franchement, c'est super galère de faire mieux. Elle est fait bloc. Voilà. C'est bien, mon petit poisson. En fait, non, c'est nickel comme ça. Hein. Après, faut choper le bon truc et faut réussir à choper les boules, et je vous avoue que c'est pas évident. Parce que du coup, ça fait un peu peur, mais ça se fait. Bien, ouais. Donc je chope délibérément les notes avant. Ouais. Pour éviter d'y retourner. Exactement. Tu as tout compris. Et oui, Sandra. Je connais ta stratégie, mon cher Sarah. Ma stratégie qui m'a fait connaître dans tous les milieux. Du game. Du game. Les milieux du game, ok, ouais. Si tu veux. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire, mais bon, on apprécie Sandra pour ses élucubrations intellectuelles. Oui. Alors attendez, hop, là, une petite note qui fait plaisir, hein, là où elle va. Oh, ça, c'est chiant, la glissade. Mais vas-y, mais... La hitbox, en fait, est super mal gérée. C'est le problème des jeux de l'époque, c'est qu'ils malheureusement, à cause de la faiblesse des polygones, ils n'arrivaient pas à gérer la hitbox. Et ça devenait... Alors, comment expliquer le mot hitbox en français? Je n'en ai aucune idée. Je peux pas dire je peux pas faire autrement. Je suis désolé, mais je risque de perdre. Malheureusement, bah, c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, c'était pas possible de faire autrement pour moi. Non, j'ai pas le truc, malheureusement. Malheureusement, j'ai rien pour l'instant, donc il va falloir recommencer à zéro, mais c'est comme ça. Alors, attends, laisse-moi juste finir mon explication, sinon je m'embrouille et vous me connaissez, je n'arrive pas à faire. Donc, la hitbox, tu m'as demandé ce que c'était, donc écoute la réponse. La hitbox, c'est tout simplement la zone de collision d'un objet. C'est-à-dire qu'un objet va avoir une zone de collision, là la note va décider que quand je vais la taper, ça va me donner une note. Voilà, tout simplement. La hitbox d'un ennemi, c'est la zone sur laquelle je peux le taper. Et par exemple, un Call of Duty va avoir une hitbox pour la tête, pour pouvoir faire des headshots, tu vois, il y a des hitbox différentes. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas de hitbox différentes. Et là, tu vois, théoriquement, sur un jeu actuel, pas pour que ce soit plus facile, mais pour que ce soit plus réaliste, une note comme ça va avoir un cercle autour d'elle en hitbox pour que ce soit moins compliqué de la toucher, tu vois.
Et malheureusement, à l'époque, ils se disaient « Ah bah non, non, Xbox, je sais pas ce que c'est. » Alors, ils savaient pas ce que c'était qu'une Xbox, une Xbox classique. Et du coup, ils se faisaient pas chier. Tout simplement. Tu vois, et dès que j'accélère, même si je fais pas l'accélération, et ben, je perds ma caméra vue de, ouais, de face. Même si j'avance tout doucement, en fait. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est toi qui siffle ? Alors, ouais, c'est le poisson qui siffle. C'est les astuces. Ah. Tout simplement. Voilà. On la joue safe, hein, pour l'instant. Vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de recommencer encore une fois. Ça me fait la hitbox. Ouais, hitbox, c'est la zone de hit, en fait. La box, la petite box, ouais, le polygone dans lequel tu peux hit, en fait, tout simplement. Ouais. Et bah là, du coup, elle est très petite. Elle a presque fait la faute. C'est la note, en fait. Il s'embêtait pas à faire des hitbox, en fait. Le polygone qui avait été modélisé, ça devenait la hitbox. Sauf que bah, ça se fait pas dans les jeux actuels, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a, des petits soucis de saut, de. Toujours dans ces jeux un petit peu, ouais, anciens. Parce qu'on forcément on galère. Parce que là on est là en mode « Vas-y, hitbox, mon gars !» Ah. Oui. Non, ah, pas du tout là. Là je la joue sécu, hein, comme je vous ai dit. Là on va la jouer sécu, sécu, mon gars. Sécurité sociale, on la joue. On la joue... On la joue appel. RSI. Appel, ouais, si tu veux. Mais aucun rapport, mais tu veux bien. Oh, si, si. C'est pas les mêmes, c'est pas la CAF qui fait. Ah non, bah non, non. Non. C'est vrai, ça. Parce que ça change tout le temps. Ouais. C'est comme NPE et compagnie. C'est vraiment des malins. Ouais, c'est la même chose. C'est ça. Tous les mêmes. Tous des drogués. Ouais. Tous des junkies. Pardon monsieur, on aimerait prendre le petit déjeuner. C'est clair. Au début je pensais qu'il allait m'attaquer en fait, ce poisson, que c'était une petite difficulté. Mais non. Viens la petit verre. Bon bah là on est. Eh, franchement on est pas mal les gens. Ouais. Donc on s'y est repris à 3 fois, hein, mais grâce à l'émulateur, eh ben c'est pas. On n'a pas eu trop de temps à attendre. D'accord, donc là tu vois c'est. La hitbox début n'est pas terrible non plus. C'est pas une hitbox en fait, c'est parce que c'est la perspective. Je pensais vraiment, ouais, qu'elle était devant moi, mais en fait non. Un passage en la clé. Une bulle. Une bulle, effectivement. Un profondeur de champ, heureusement. Profondeur de champ qui est horrible. Voilà. En fait, c'est ça, il faut faire vraiment le tour, quoi. C'est ça. Avec lui. À côté. Bon, il est un peu lent. Non, non, là, je vais faire la clé d'abord. Voilà. Non, mais pour faire la clé, il faut faire le tour. Tranquille ou quoi? Ouais, voilà, ouais, je fais le tour et puis comme ça je prends les bulles au passage. Voilà. Et non, alors pour vraiment, je peux pas du tout, hein, faire la caméra en suivi, j'essaye depuis tout à l'heure, mais ça ne veut pas. Yes! On est content. Donc merci Saba pour ton astuce, c'est effectivement ça qu'il fallait faire. C'est le petit bug, parce que la clé est après. La fameuse anguille. Oui, c'est une anguille. Hein. Je suis désolé, ça ressemble pas vraiment à un requin, hein. Ah si, si. Mais ça ressemble aussi à une anguille, hein, je sais pas. Plutôt pas une anguille. Mais tu vois, il s'est levé, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Clinker peut enfin respirer. Une récompense t'attend. Bah oui, une pièce de puzzle. Bien. Une pièce de puzzle, man. Non, mais yeah. Attends, c'est un requin. Et genre, il a besoin d'air. C'est logique. Faut pas chercher. Ce jeu a été développé par des alcooliques. Non, mais allô. Genre, t'es un requin et t'as pas besoin. T'as besoin d'air. Non, mais allô. Allez! Oh non, mais c'est. Oh la vache. Mais s'il vous plaît, messieurs dames. Oui, donc un live, vraiment, ça vous plaît et c'est plutôt cool parce que ça va être, on va tellement galérer en live. Ouais, vous allez tous être là, nous dire mais non, mais c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi, Michel. Mais tu sais pas jouer, t'es pas gros nul. Bah ouais, bah désolé. C'est vrai que j'ai pas la, je joue pas beaucoup, j'aurais trop. Mais coup, non, mais tu sais très bien jouer. Vous imaginez pas si c'était moi qui jouais? Ah, ce serait drôle, c'était toi. Ce serait chiant. En plus, moi je suis très. Rageuse. Ouais, rage quitte. Moi je rage, mais je ne quitte pas. Une pièce de puzzle. Point, point. Parce que. Le Batman. Hein? Batman Mega Drive? Forever? Batman Forever, ouais. Je sais bien ce que j'ai cru voir. Qu'est-ce que ça va donner ça? Ouais!
Non. Ah non, ça va. Ouais, mais c'est long, non? On va faire une petite sauvegarde en attendant. Système, sauvegarde de l'état. Voilà. Sympa, ça. Du coup, on peut monter là. Nickel. Alors, me dites pas que là, ce serait plus intelligent de le faire en FPS, par exemple. Oh putain, le con. Non, c'est pas ça. Ah, parce qu'on peut pas avancer. D'accord. Waouh. Ok, là je suis allé un peu vite. Vous voyez là, la hitbox par exemple de la plateforme est pas évidente à prendre en main. Mais après on s'habitue, hein, je suis d'accord, hein, c'est comme tout, mais... Yes! Par contre, on a chopé que deux petits piafs, et c'est assez ouf parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans le niveau de... Ah oui, mais ça, on peut pas... Et vous voyez? Et là, tu vois, ce qu'il y a, par exemple, c'est qu'il y a une hitbox dans les murs. Et la cam... Ce qui est normal, parce qu'il faut pas que je me mange. Et la caméra est bloquée dans l'hitbox des murs. Et sur un jeu actuel, les caméras ne se bloqueraient pas sur le mur, tu vois. Parce que c'est logique, tu vois, parce que c'est... C'est pas... La caméra n'est pas... En physique... Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire pour accéder là-bas? En volant, ça va être un peu compliqué... Et là-bas, c'est en volant, tu penses? Je ne sais pas, mon cher ami, il faudrait t'essayer. On tente rien. Ouais, non, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. C'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Alors, on va aller voir sur les côtés, si... parce que j'ai cru voir une partie où on pouvait monter. Ici. Ah, mais ici, c'est craignos de ouf, là. Ouais, parce qu'il y a le monstre qui va sortir. Ah, il m'a bien décolqué la gueule la dernière fois, je m'en rappelle carrément. Ok, pas mal mon gars, pas mal. Ok, donc là on a un truc à faire. Donc je me rappelle plus, je crois que c'est A qu'il faut faire, ouais c'est ça. Ah ok. Juste que je réagisse un peu mieux. Oui. Putain. Banjo. Banjo. Autant j'ai du banjo là. Je crois dans le remake que Rare a fait du coup. C'est beaucoup plus justement agréable les contrôles. Oui, c'est ce qu'on voyait déjà graphiquement. Très très bien. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? Ah, ouais, c'est ça qu'il faut faire, la vache. Ouais, mais ça glisse. Ça glisse grave en fait. Je pense que le côté. Ouais, ce côté glissant. En fait, ils ont pas mis de bord. De bord? En fait, le personnage, parce qu'il y a des jeux, je pense à Tomb Raider par exemple. C'était un mode marche et du coup elle s'arrête au bord, tu vois. Ah oui, ça après, ouais, mais ça après, on va te dire que c'est peut-être un petit peu triché, entre guillemets, tu vois. Et c'est dû en fait à l'univers Tomb Raider qui permet pas de, tu vois. Ouais. Après, là je suis d'accord que non, qu'on marche pas, c'est logique, tu vois. Attends, je sais pas, je suis en train de faire un truc de ouf là. Du coup, je me concentre ouf, un peu. Ouf. Oh putain. En vrai, je suis en truc de ouf là. C'est peut-être dernier. Oh, c'est une vie, je m'en fous. Non, en vrai. What the fuck, deux amis, c'est David Lafarge. Ok. Du coup, c'est vrai que là, bon. C'est pas tant ça qui me pose problème. C'est plus, voilà. C'est plus vraiment ce problème de je répète, hein, mais de hitbox. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, on peut faire un saut. Pourquoi là, on peut faire un saut? Ouais, mais devant un monstre. Mais y a pas de monstre là, c'est pas vraiment. Ah, là, on peut faire un truc là. Ah si, d'accord. Non mais attendez, on voyait pas de loin. Mais comment tu fais? Ah, comment je fais? Il y a moyen de le tuer. Non, puis en plus, tu peux même pas... Ah, j'arrive pas à rentrer. Pourquoi on appelle ça? De la nageoire, hein? Ah bah non. De la nageoire, je pense pas que je puisse. Perso, j'y crois pas. Par contre, d'ici, oui. Peut-être. La nageoire, ça va être beaucoup trop bas. On va tester. Non, en fait on descend trop. Et la nageoire elle remonte pas un peu? Non, non. Bah non, c'est ça qui est chiant. Non, je pense que faut monter, faire de là-haut. Mais par contre, mais comment je fais? Parce que là en fait je suis censé monter sur. Sur les trucs, ça me dit rien. Ça te dit quelque chose qu'on pouvait monter là-dessus? Sur quoi? Sur ça là, sur les trucs là. Ah, je ne sais pas. Bah oui, je pense. Il faut trouver la bouteille. Qui est donc le. Quoi? Oh. Ah non, c'est salaud ça. Je crois que t'as raison pour faire un truc genre comme ça. Ouais, je fais ça. Ah non. Ça me pas ça. Allez, vas-y, monte. La joueur de mes deux.
Non. Attends, mais what? Ou alors je suis pas bien placé, je comprends pas. Peut-être un truc que j'ai pas pigé. Peut-être sauter tout court en fait. Ouais. Bah ouais, comment je peux faire? Tu penses que tu peux lancer un œuf? Je sais plus lancer des œufs. Ouais, oula. Oh. Sauvegarder, tu penses vraiment là? Mm. Ok. Mais après... Parce que t'as fait un truc de ouf et tout dans les fenêtres. Bien sûr que tu peux. Bien yes. Joué, Sansan. Bonne idée. Mais non. Bien joué, j'aurais pas cru. Mais vas-y, mais mange tes morts. Ah non. C'est trop bizarre. Ah, si tu peux forcément avec quelqu'un. Bah ouais. Là. Non, c'est chaud. Ah là. Ah, putain. Oh la vache. Ah oui, on comme sur les palmiers en fait. Ouais, exactement. Et là après, est-ce que je peux aller par là? Oh la vache, la mère. Je t'ai pas rassuré, hein. Ah ouais. Oh le bâtard. Non. Ah, oh, je suis deg. Ah, je m'attendais pas à ça. Truc de ouf. Et comment je suis censé faire? Comme ça? Ah putain. Ah le c'est vachement fait. Ah ça me fout bien les boules, hein. Vas-y, hein. Bon, j'espère que l'ennemi revient pas, mais je crois pas. Non, tu penses pas. Non, je pense pas. Mais fais-toi même. Là, je me... Bah, on s'en fout, on s'en regarde. Ah, sa mère, mais c'est chiant. Allez, vas-y. Vas-y, c'est bon, tu peux le faire. Ok. Merci. Ok, donc là... Ah, du coup, c'est flippant sa mère parce que... Oui. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas? Essaye. J'attends que je t'entraîne. Ouais. C'est ton dernier. Ouais. Ah oui. Ouf. Donc là, va pas falloir jouer au con. Je vous le dis d'avance, on va y aller... Tout doux comme des petits oufs. C'est ça qui est chiant aussi, c'est que je peux pas marcher. Mais ouais. Ça, il court tout le temps. Oh la vache. Là, ça va être chiant. Allez, il trottine. Oh, bien joué. C'était un bon... Merci. Merci. Je suis vrai que je suis assez fier de moi. J'en ai beaucoup. Pour dégueulasse. On sait qu'on dirait. On dirait la meuf de Jimmy Larbeau. J'adore ça. Bon, ça sent. J'ai du fond de teint. Bon, non, c'est pas dégueu. Alors, est-ce que là... bah non, clairement, là, sgeg de ouf, quoi. Là, sgeg de ouf... Ah, si, sgeg de ouf, là. Mais sgeg de ouf... Ouais, je m'en fous des plumes. Ah, c'est grâce à la queue, ok. Ouais, je m'en fous des plumes, mais il y a peut-être une putain de pièce de puzzle au milieu. Mmh. Ça, je le sens en gros comme une patate. Est-ce que je peux monter par là, tu penses? Non, par la queue. Mais non, mais c'est pas ça la question. Ah. Ah, bah clairement pas, non. Ah bah non, c'est pas là. Mon pot. Yo, tout le monde s'est squeezy. Il était très majestueux. Vas-y, tu faisais la... La danse. Et je peux monter sur la queue, clairement. Ah, je pense que oui. On va voir ça. Why not, hein. Toum. Yes. C'est beaucoup de chair, hein. Ah, c'est... Ouais, c'est un peu sale, hein. Tu te dis, ah, le pauvre. Avec non, oh, non. Oh, c'est... Oh, là, c'est hardcore de ouf. Et en plus, c'est une cage. Oh, j'y vais comme un thug là. On est arrivé au max, c'est pas. Ah oui. Mais c'est censé s'ouvrir. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Putain, je... Attends, j'ai envie de faire un truc. Hein. Tu veux bien? Ouais. Tu m'autorises?
t'as que piqué. Ouais, mais je sais plus comment elle a fait. T'as pas piqué, justement. Ah, ok. C'était ça, mais pas dans le monde. Sus. Comment on dit mieux. Bah, je sais pas. Je crois que je l'ai ouvert en fait, juste en sautant. Bah, j'ai bien fait d'insister, n'empêche. Bravo. Dans ce qu'on veut, on m'appelle un peu le banjo des jeux vidéo. Et l'OVNI. On m'appelle banjo. Papi, papou, papou. Ok, alors, du coup. Suivi de caméra. Suivi de caméra, STP. Merci. Pourquoi ils baissent ? Et surtout qu'on m'a dit de mettre le suivi pour pas que ça gerbe, et c'est encore pire. Ce suivi part complètement en live. Ok, alors, du coup, là, on va un peu observer les lieux. Parce que là, en fait. Là, on a sauté, il faut qu'on saute de l'autre côté. Il y a un tuyau aussi sur des... Il y a un tuyau et machin. Là, on a fait toute la partie droite avec les petites cages. Le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de pièces de puzzle. Hein. Et là, je vois pas. Ah, en face, là, on avait ouvert la petite cage du coup. On va voir ça tout de suite. Ils vont voir ça tout de suite. Wow ! Ok. Je pensais pas monter sur la queue en fait. C'est limite du Tony Hawk là. Ah, mais je suis un Tony Hawk. Mais pourquoi la caméra fait ça ? Et là, vous voyez, j'ai pas touché le joystick, quoi, donc je pense qu'il y a aussi des... Pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché le joystick. Les bâtons de joie. Ouais, ça, ça me... Je remettrai... Faisait chier, la... Je remettrai jamais à du bâton de joie. Ouais, on faisait chier, ma meilleure amie d'enfance, avec ça. Vu qu'elle s'appelle Joy. Ok. Autant pour moi. Oh putain, c'est ça qu'il fallait faire. Ok, pardon. Excusez-moi pour le oh putain, mais... J'ai un moment de jambon. Ok. Just gag de ouf. Just gag de ouf, exactement. Oh la vache, ça va être chaud là. Ok, ça a été. Oh non, encore un truc à la con. Ok. Ouais, ça va. Et ensuite, ça... Est-ce que je peux aller quelque part? Oh, ça sent... Est-ce que je peux aller quelque part? Bah non, avec une des noms, hein. Je crois pas. On est par là, mais non, il y avait rien. Donc on va essayer de tomber dans l'eau plutôt que sur le machin. Il y aurait pas mal de trucs à choper, ce serait pas mal là. Mais après, ça me fait peur, c'est la murène quoi. Ah, en plus, je peux pas y aller. Bah, je sais pas, on va pas me dire que c'est des requins encore qui sortent de. C'est des zombies. C'est des zombies. Est-ce que je peux rentrer dedans? C'est une sardine. Putain, je sais pas. Mais je on suis... commence à comprendre. Je suis doué en vrai. Est-ce que vous pouvez me le dire? Merde. Ok. Ok, je peux aller plus bas. Mais est-ce que là-haut je peux aller prendre de l'air déjà? Dans son bosier. Oui, ça se voit. Combien on a de vie? Bon, il nous en faudrait un, donc on va peut-être pas péter ça. Ouais, allez, si. C'est bien parce que c'est vous. Donc j'ai envie de commencer par le début, commencer par en bas, non? Parce que pour le tout aller là, j'ai peur qu'après on soit bloqué. Donc là, je fais le suivi de caméra, vous voyez les copains? J'arrive pas, ça ne veut pas. Je sais pas, on y va. Ah, il y a un machin, attention. Ouais, au machin. Alors, je sais pas du tout ce que ça fait. Tu penses que c'est le pénis du requin? Non, c'est une gueule de pénis de requin. Donc j'ai loupé un orange, quelque part. Je pense que ça s'enroule autour de toi et puis du coup tu peux plus remonter. C'est possible. Ça suffit, mon dieu, pas de toxicité. Oh, il y a des cerceaux. Oui, il y a des cerceaux. Non, des bouées. Il y a plein de trucs dans son corps. Ouais, pourquoi il est dans son corps? Bon, parce qu'il est alcoolisé. Je pense qu'il faut passer dans chacun d'eux. Un truc comme ça. Voilà. Ah, c'est... On a du temps. Ça va être merdique. Ah, ça me rappelle Zelda. Ah non, ah non, d'accord, ok. Ah, il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est celui qui est en vert. Ah oui, d'accord, ils deviennent verts. Bah, super, toi qui maîtrises la nage. Tais-toi, toi. Oh la vache. Ta mère. Concentre-toi, Sarah, concentre-toi, t'es beau, t'es gosse, t'es beau gosse. Où est le dernier? Là. Non. Il y en a vraiment trop, là, par contre. Hein. Ah. Ouais, non, je peux pas faire. Ils vont réapparaître, je vais recommencer. En même temps, je savais pas, tu vois, donc... Ok, on va essayer de faire ça mieux. You can do it. You
oublié Bignou. Putain, c'est pas vrai. Pitié. C'était bien joué. Merci. Putain, c'est pas vrai. Ah, caméra, la con. Non! Caméra. Oh non, mais putain! Ouais, vas-y, laisse tomber. Ça sert à rien de s'énerver. Franchement, ça va être chaud hein, à gérer. Une fois que t'as. Mais c'est pas possible ça! Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi là ça. Il faut que j'aurai quoi? Une fois que tu sors de l'ordre. Mais je le connais l'ordre en fait. Mais le problème, c'est pas ça, c'est la maniabilité. C'est pas l'ordre qui me pose problème, c'est pas ma mémoire, c'est vraiment qu'une question de technique. Bon, les œufs en fait, je pense qu'ils sont buggés, on peut aller choper, parce que là, je joue clairement aller dessus 30 fois, donc ça va aller quoi. Je vais peut-être pas non plus me faire avoir par un jeu. Donc, bah ouais, mais ça aussi, tu vois, ça c'est n'importe quoi. Pourquoi il est parti vers le bas, tu vois. Je sais pas. Ok, on va retenter. Tu peux, moi j'y crois. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça n'a pas de sens parce que tu vois, je touche pas au joystick, mais je pense que bah c'est un petit peu bugué, voilà, de l'époque. Soit l'émulateur, mais j'arrête pas de dire ça, mais je suis désolé, hein, c'est pas pour donner des excuses, c'est vraiment, je le pense vraiment, parce que des fois je me dis, mais attends, y a un gros souci, les gens ne galèrent pas autant sur ce jeu-là. C'est pas connu pour être un jeu galère. Tu vois comment il bug? Ah bah, celui-là ne bug pas, ok, faut que je comprenne quoi. Bah t'as vu celui-là, je suis passé à côté. Ah, mais les ailes de Kazooie ont touché. Non, mais les ailes sont pas dans la hitbox, tu vois, par exemple. Ah. Ça, j'ai remarqué. Bah oui, contre les murs, tu peux passer les ailes à travers. Mmh. Ok. Oui, il est sur ce. Carrément. Passer à travers. C'est parti. Côté. Titi, parce que à cause du requin, je ne peux pas passer. Ça remonte au niveau de l'eau, peut-être, j'espère. Oui. Voilà. Ok, on est d'accord. Parce que sinon, on va l'attraper. Ah bah, peut-être pas assez. Ah si. Bon, je trouve qu'on est efficace cet épisode-là. Ouais. On rage un peu, mais on est efficace. Moins que. Ok, donc là, je peux pas aller là pour l'instant. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut peut-être que le niveau de l'eau monte. Donc là, on a un. Alors attends, là on vient de la gauche là. On peut aller en bas là ou tout au bout. Tu dirais quoi? En bas là sur le côté en là bas, peut-être? Ouais. Ouais. Allez-y. Et c'est une note. Et une note? Ah ouais, cool. On rappelle qu'en plus on n'est pas obligé de prendre les 100 notes. Donc je ne peux pas faire du suivi de caméra. Hein. Là je vous le dis d'avance, ne m'engueulez pas, je ne peux pas. J'essaye mais ça ne marche pas. Et pour le coup j'ai vraiment les touches. Et oui, je sais que j'ai loupé une note, ne me le dites pas dans les commentaires. Oh mon dieu, Sarah, tant de temps. Je ressors pas là. Ah si. Allez. Putain, c'est pas possible. Vas-y. Attends qu'il ouvre ses bouches. Mais j'ai pas de problème, regarde comment c'est bugué. Parce que j'étais branché. Regarde, t'as vu ou quoi le, t'as mais vu ou quoi vu le bug. On est d'accord, donc là il y a un souci.
D'accord, donc j'arrive par l'autre côté, intéressant. Donc je vais vraiment partir par les deux côtés. Et donc j'ai bien loupé une note, super. Tu vas récupérer ta note. Exactement. Et donc du coup, ok, de l'autre côté on a bien fait d'aller en bas en premier, parce que... Ouais. La plume d'or, je vais peut-être la choper, parce qu'on sait pas trop ce que c'est encore. Je peux voler, je peux voler. Et c'est 10 maximum, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Exact. Et on peut voler. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On va peut-être descendre avant. Non. Non, voler avant. Ah, mais je sais pas ce que ça m'amène à la tête après. En face. Ah. Bon, ouais, vas-y, si, si, on va. Allez. Allez. Ouais. J'ai vu que t'avais un trou au-dessus de toi. Exactement. Et je vais aller d'abord là-bas. Je sais pas où je veux sortir. Mais écoutez. Alors, système sauvegardé. Voilà déjà. Taupe. Peux-tu m'aider? Alors, il y avait qu'un seul mouvement à prendre ici. Ah, mais d'accord, carrément. Cela me rendra-t-il invulnérable? Et comment on maintient Z et appuie sur C droite. Garde le droit sur Z et utilise les stick portes. Ah! Ok. Allez. Z et c'est droite. Z et c'est droite. Putain, ça en dépense à mort en plus. On est à combien de pièces de puzzle du coup? 7, c'est bien, il nous en reste plus que 3. Ah, c'est rigolo en vrai. On est obligé d'en dépenser 3 quand même pour tout le passage là, t'as vu, c'est hoche. Hein. 4. Je crois que j'en ai dépensé que 3, non? Ouais, ça va 6. Ok. Je pensais. Oui, mais j'en ai peut-être pas 10 de là-bas. Si. Si? Ah ouais. Bon, et eh ben écoutez, c'est pas mal déjà. Donc là, peut-être qu'on va pas sortir par là-haut. Mais on va d'abord aller en bas. Oui. On va peut-être pas voler tout de suite, tu vois ce que je veux dire? T'avais encore en bas? Oui. Oui, tout à fait. J'ai carrément le passage au milieu. Tu vois, j'ai le passage là. Oui, exact. Et j'ai peut-être envie d'y aller avant de monter tout en haut. Oui. Je sais pas. Vous me dites dans les commentaires et puis on s'en fout parce que de toute façon, on va faire d'abord. Et puis on est pas là. C'est vrai. Ça va être chaud bouillant, mon gars. Mais tu vois, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il glisse. Non mais regarde! Des câbles. Tout à fait, je suis d'accord. Parce qu'en plus elle est grosse celle-là, elle me fait un peu peur. Du coup il a plusieurs pénis. C'est très bizarre. Il voit pas trop. Il a même un crabe. Enfin, il l'a mangé quoi. Putain ça m'a fait peur la caméra. Je sais plus comment on bat les crabes. Tu leur roules dessus, il fait une grenade. Oh. Mais... N'importe quoi. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Sims, tu vois, il a genre... Son... Son autonomie, tu vois. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle dans les Sims, comment on dit? Je sais pas de quoi tu parles. Quand ils ont leur autonomie. Putain, mais pourquoi des fois ça fait, des fois ça fait pas? Bon, on va plonger dans l'eau. Hein. Parce que le but étant quand même d'avoir toute sa vie, c'est mieux. Donc là, il y en a un qui est parti, je sais pas où. Ok, nickel. Ouais, ok, je pensais pas du tout pouvoir l'avoir, tellement c'est parti en vrille. Alors, du coup, là, normalement, si j'utilise ça,
Non, pas le truc pour se protéger, le truc pour aller à gauche, voilà. De toute façon, ça utilise pas une plume. Ah si, ça utilise. C'est un tune de l'UF. Ah la vache, vous voyez le nombre de notes que j'ai là, les cocos? Est-ce que vous seriez pas fiers de moi un peu? Comment je suis censé choper le crâne là? Il est trop mignon. Pigeon. On dirait un pigeon. C'est comme ça qu'on est drôle. On peut faire du slalom et tout là. Ah ouais, c'est pas mal. Faut qu'on donne l'élan. Ah, c'est dans la bouche que je suis là. Ah ouais, c'est bon. Au pire, le crâne. Ouais, c'est pas grave, je sais pas, non, parce que moi je veux bien essayer de le choper, mais là j'arrive pas bien à comprendre. Parce que je veux pas sauter plus haut que ça, non? Ouais, je crois que le crâne ça va être un peu mort. Hein. Je sais pas si c'est important de les avoir tous. C'est une fois là-haut, en fait, si je fais ça. En fait, si je vais là comme ça pour faire le saut rapide, il faut que je lâche et que je fasse. Tu vois, et non, il redescend tout seul. Ouais, donc je pense qu'on va laisser tomber le crâne. Attendez, on va quand même peut-être regarder. Parce que peut-être il y a une plateforme ou un truc caché. Je vais regarder quand même. C'est dans sa bouche, alors est-ce qu'on pourra lui faire ouvrir après? Ah, je peux monter là-haut? Ouais. Ah, bah, je peux pas y aller. Ah, si, je peux y aller quand il ouvre son truc. À tous les coups. Je peux descendre dedans à tous les coups. Donc, ouais, bon, après, ouais, c'est pas grave, c'est pour qu'un crâne. On verra plus tard, du coup. On verra si on peut... Vous me direz dans les commentaires si c'est important, vous pensez, le crâne. Ok. Ah, ok, ah, mais moi, je suis un thug life, quoi. C'est en mode... mon pas les couilles, mon frère. Fuck. Ah oui, mais en plus... Il recule à mort, c'est cool. Puis il se l'envoie, en fait. De quoi? Ils font des passes avec toi. Non, c'est pas ça, c'est lorsque je suis reparti en arrière, en fait. Ça dépend de quelle direction j'étais. C'est juste pour me faire peur, tu vois. Ouais. Mais ça marche pas avec moi. Ok, bon, bah là, on va s'envoler, hein. Je pense qu'il y a que ça à faire, là. Je pense qu'ici, ouais, on a tout vu, on va monter... De toute façon, vous nous direz dans les commentaires, de toute façon, on va bientôt se laisser, pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas. Wow. Ok, c'est la galère, la mort. J'ai vu un truc assez drôle. Et pourquoi il monte pas? Il y en a. Ah, on peut pas en fait monter par là. Oh, ça m'étonne. Bah non, je te jure. Tout ce que tu veux. On ne peut pas, tout simplement. Bah non, on peut pas, hein, je te jure. J'ai buté contre le haut à mort, mais en fait non, on pouvait pas. Mmh. C'était bloqué. En même temps, ce serait logique parce qu'on... Je vais pas aller là, moi. Ce serait logique parce qu'on irait où au-dessus? C'est bizarre qu'il ait mis un trou. Bah ouais, je suis d'accord, mais bah tu veux que je réessaye? Non. Bah je sais pas, alors arrête de... J'en ai marre des gens qui me font... Ouais, je fais ça, et puis après, bah non, en fait. Je le fais ou je le fais pas? Bah tente, mais... Essaye de... Tu peux pas t'envoler droit? Ah bah non, non. Malheureusement, non, ce serait trop simple. En face au mur, plutôt. Et là, fais une plume. Ce que je fais. Ouais, non, c'est un peu plus tard. Là, je suis en haut, là. Je tourne un peu. C'est super drôle. Ah, d'accord, qu'il y a rien. Il y a rien. Ok. Merci de me croire maintenant. On va sortir par le côté là, c'est plus simple. Bon, les os, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Moi, tant que j'ai toute ma vie. Pourquoi? Il pénètre le rond. Ça fait ça. On va sortir du requin et puis essayer de voir si on peut rentrer par la vis du coup. Ah oui. Pour choper le crâne, mais je sais pas si c'est très utile quoi. Parce que là en fait il nous manque quelques pièces de puzzle, mais alors je vois pas trop où. Est-ce qu'il y avait un lieu que j'avais pas visité? Ça j'ai fait. Ah, en haut j'avais dit. On va essayer de rentrer tant qu'il est pas ouvert. Tant qu'il est ouvert. C'est ça.
Nouvel endroit. Ah oui, du coup. Ah, c'est top ça. On a même un portrait de la sorcière. Pourquoi il marche tout doucement là? Parce qu'il a peur. Faut que tu tapes sur la sorcière. Oui, je sais, mais attends. Ah, je suis trop belle. Oui. Bon, là, faut que je passe clairement. Pourquoi j'en ai plus? J'ai plus de trucs après? Ah, j'ai plus de plumes! Bah, tu repasses pas. Attends, j'ai combien de plumes? Une. Ah ouais, la vache! Non, mais ils sont censés t'en donner, quoi. Ah, t'as arrêté. T'es redescendu là. Bah voilà, donc c'est bien ça. Il y avait pas de. Donc faut que j'y retourne. Je suis à combien de notes? 100 notes, putain, j'ai fait oui, les 100 notes! Je viens de te dire. Ah oh, pardon, ouais. Non mais non, j'étais trop concentré sur les plumes, j'avais trop peur. Du coup, il nous manque quand même le petit piaf orange. Ça, c'est sûr. Du coup, il te manque une pièce de puzzle pour ça, parce que le piaf, il va te donner une pièce. Exact. Il manque un lieu, du coup, avec le petit piaf orange. Et c'est pas mal, c'est les gars. De l'autre côté, hein, de la bouche. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de piaf de ce côté-là. Ah, je suis content. On gère bien là, je crois. 100 pièces, c'est quand même fort, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais 100 pièces pour un niveau comme ça, sans. Ouais, sans. Bah, avec l'instinct, quoi, c'est plutôt cool, tu vois. Il est où là le truc? Il est tombé, il est en haut? Je sais pas. En dessous, bon, non. Donc, alors, on va partir en arrière cette fois, ouais. Parce que. De l'autre côté, on a vu qu'il y avait un truc quand même. Mais je sais pas, je peux pas tourner du tout la vue. Non. Non, bon. Je fais exprès, je pense. Donc c'est bien là. Ouais, bah y'a rien ici, hein, les cocos. Donc vraiment, c'est. C'est pas là. T'as bien essayé de nager dans le. Au fond. Enfin, au bord. Du côté qu'on voit pas là. Ouais, c'était bien de vie, c'est ça. J'ai vu un truc orange, genre, en plus comme l'oiseau est orange, tu vois, la bah, jaune, je veux dire. Ouais. Je me suis dit, ça se trouve, c'est lui, mais non, c'était bien la vie qu'on avait fait tomber tout à l'heure. On appelle le thug dans le milieu. L'ovni. Putain, mais d'où elle me touche, quoi, mais d'où elle me touche. D'où tu me touches, toi, flagelle de merde. Donc là, ouais, faut qu'on sorte. Eh ben, de toute façon, on va devoir se laisser là. Eh ben, écoutez, les amis, c'est parfait. Parce qu'on va se laisser dans cette petite machine. Non, j'ai envie de faire un dernier truc. L'épisode va durer un poil longtemps, désolé. Bah, longtemps. Tout est relatif, hein. De toute façon, ils sont longs, ces épisodes. Donc, il va durer 47-48 minutes. Parce que j'ai envie de voir un truc. Mais qu'est-ce que tu as envie de voir? Bah, si, en fait... C'est très simple. On va monter avec la vis. Parce que j'ai l'impression du coup qu'il y avait une petite trappe à ouvrir au sud. Donc ça se trouve, c'est juste là où on a le dernier truc. Donc plutôt que de vous demander, ça sera encore plus classe. Mais sinon, vous allez me dire dans les commentaires. Si c'est pas là, vous allez tout simplement nous dire dans les commentaires. Comme d'habitude, comme vous le faites, parce que vous êtes adorable. Et ben, où est-ce que c'est? Vous allez nous dire, oui, mais en fait, le dernier oiseau jaune, bah il est là. Nanana. Oh bah nickel. Allez. Arrête de marcher. Tu vois, là, il y a une... Ah non. Non, ça s'ouvre pas. J'ai rien dit, parce que je pensais qu'elle était à fleur, mais non, elle est au fond, donc elle s'ouvre pas. Ok, donc là, ce qui nous manque, voilà, ça va être le dernier petit oiseau jaune. Et du coup, il va nous manquer aussi... alors, je sais plus en pièce de puzzle où on en est, mais bon, quelque part, voilà. Donc, en tout cas, bah, ça me fait très plaisir, cet épisode. Je suis content, parce que c'est un épisode où on a bien géré, tu vois, je trouve. Ouais, franchement, c'était cool. Bon, il y a des petits couacs au tout début, puis des petits couacs en général, forcément, ce qui est normal. On a quand même les 100 pièces, ce qui est vachement bien. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si la pièce de puzzle, l'oiseau s'est
facile à choper, les dernières pièces de puzzle aussi, écoute, ou est-ce que ça se trouve? C'est l'oiseau orange et non pas le jaune. Exactement, merci. Et du coup, il nous reste aussi les crânes, hein. Il y en a un dans la bouche, je sais pas s'il est facile à prendre, donc n'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait plaisir, hein, et puis le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et soyez là dimanche, absolument. Oui. Gros bisous.